Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que le son est correct Alors, si vous pouvez me confirmer euh, sur YouTube que le son est, est correct, et, euh, tuc, 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 et pareil sur euh, sur Insta. Donc, je regarde là, je regarde là. Donc euh, voilà, alors, just, oui, le son est bon, OK, sur Insta. Et comme j'ai enlevé, alors, je sais pas, est-ce que... Hmm. Personnalisation, chat en direct, OK, enregistré. Oh, je sais pas. Si vous pouvez me dire euh, sur euh, YouTube, est-ce que le, le son est correct aussi ou pas? Le son est bon sur YouTube. OK, c'est correct. Alors, je ne sais pas si ça a pris directement du casque ou ça prend de l'ordinateur. Donc, en tout cas, il est, il est bon sur YouTube aussi le, le son. OK Très bien. En espérant que ça a pris du casque, ça ne prend pas directement de, de l'ordi. On entend très bien. OK. Alhamdoulilah. Parfait. Je ne sais pas ce que... Je joue un peu la dictature, je, je supprime les, les commentaires. Ou est-ce que je laisse On considère que tout le monde va être euh, discipliné. Parce que voilà, je n'ai pas trop l'habitude de, de gérer tout seul euh, voilà, tout ça. Donc là, je ne vais pas avoir la tête sur les commentaires. Donc en espérant que tout le monde soit discipliné. Euh, vous pouvez supprimer si vous voulez, ou alors je supprime pour l'instant et ensuite, Inch'Allah, j'ouvre pour euh, les questions. S'il y a des questions, je pense que c'est préférable. Je pense que c'est préférable, hein. hum, préférable. Ok. Donc, euh, je vais juste euh, supprimer pour l'instant et ensuite, euh, je vous donne accès aux, aux commentaires, Inch'Allah. Hop. Ok. Ok, désolé hein, pour euh, pour cette euh, cette forme de dictature. Ok. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, rabbil alamin. Donc euh, nous voilà entrés dans dans bientôt, hein, dans, dans quelques instants, dans, dans quelques minutes. Pour ça dépend ça dépend pour qui, mais en, en général, hein, je pense que pour un grand nombre de pays, euh, donc euh, nous-mêmes en France aussi, euh, donc le début du ramadan est annoncé, Donc la première journée donc, euh, de jeûne est annoncée pour, euh, pour demain, Inch'Allah, donc lundi. Donc à tout le monde, Ramadan Mubarak, que Allah subhanahu wa fasse que ce jeûne du ramadan 2024, comme les autres, soit un argument pour nous et non contre nous. Le jour où ni les biens, ni les enfants ne profiteront, euh, ne profiteront en rien du tout, si ce n'est celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur sain. Ja Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste et nous aide à l'évoquer, à l'invoquer, à l'adorer. Et ça, c'est le premier point à retenir, c'est qu'on doit demander l'assistance et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il nous assistent dans les actes d'adoration. Ce n'est pas pour rien que le prophète a donné ce cadeau à muad ibn Jabal quand il lui a dit à muad Je t'aime, par Allah je t'aime. » Et il lui a donné ce cadeau. Il dit « Ne délaisse jamais cette invocation après chaque prière. » Cette invocation, c'est « Allahumma a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. »« Apprenez-la et répétez-la après chaque prière. Certains savants disent que c'est préférable juste avant le tashahoud final, avant la fin du tashahoud final. D'autres disent que c'est après le taslim. à la kullin, vous dites après chaque prière, Allahumma a'inni, ou Allah, admu a'inni ala vikrika afin de t'évoquer dans l'évocation, ala ou wa shukrika, dans la reconnaissance, wa husni ibadatik, et dans le fait de t'adorer correctement. Donc, on demande à Allah subhanahu wa taala de nous aider à l'adorer correctement, à l'évoquer correctement et à être reconnaissant envers Lui. Donc, si le Prophète sallallahu lui-même donne ce cadeau à Muadh anhu arda, qui te dira qui est Muadh anhu arda C'est que tout musulman et musulmane a fortiori à notre époque ont besoin de cette, de cette, de, de cette invocation, de l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala afin de l'adorer au mieux on ne se dit pas bon moi c'est bon je vais faire des efforts de moi-même non 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 la hawla wa la quwwata illa billah il n'y a de force d'effort de transformation de changement si ce n'est avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala donc tout ce qu'on fait en fin de compte ne vient pas de nous mais vient d'Allah subhanahu wa ta'ala sans Allah jalla wa ala, on ne l'aurait pas fait donc euh, la première des reconnaissances va envers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, merci de m'avoir aidé à t'adorer. Ya Allah, accepte cet acte d'adoration. Voilà comment doit réagir le le croyant. Allahumma a'inni 'ala dhikrika wa shukrika wa husni 'ibadatika. Combien on a besoin de cette dua au début du mois de Ramadan afin qu'Allah nous aide à l'adorer de la meilleure des manières pour ne rien rater pendant le mois de du Ramadan. Et on va commencer avec le premier conseil an l'intention. Alors d'un point de vue du fiqh, de la jurisprudence, eh bien je tiens à vous rappeler qu'il est important dès ce soir de mettre l'intention de jeûner le mois du Ramadan. Dans l'école de l'imam Malik alay, une seule intention suffit pour tout le mois du Ramadan, c'est-à-dire si vous avez mis l'intention et n'oubliez pas le prophète a dit -a bin les actions ne valent que par leur intention, donc tout acte d'adoration doit être précédé d'une intention pure, vouée exclusivement, afin que cet acte d'adoration soit voué exclusivement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si vous ne mettez pas l'intention, c'est très problématique. Donc n'oubliez pas de mettre l'intention de jeûner. Alors certains savants considèrent qu'il faut mettre ici l'intention chaque soir pour le lendemain. Mais dans l'école de l'imam Malik, pour un grand nombre de savants, il suffit de mettre une intention pour tout le mois. S'il n'y a pas eu d'interruption pendant le mois, dû à par exemple une maladie, qu'Allah vous préserve et nous préserve tous, ou un voyage, ou etc., eh bien, il n'y a pas besoin de renouveler l'intention. Par contre, si le mois du ramadan a été interrompu pour x ou y raison, et ensuite vous reprenez le jeûne du mois du ramadan, là, il faut renouveler une nouvelle fois l'intention. Donc, n'oubliez pas de mettre l'intention de jeûner l'entièreté du mois de Ramadan. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit, Innamal amalu bin niyat. les actions ne valent que par leur intention. Qu'est-ce qu'on qu qu comprend de ce hadith C'est que toutes les actions ont besoin d'intention, mais aussi, comme l'ont dit les savants, et ça, ça échappe à beaucoup de musulmans malheureusement, et ils perdent beaucoup de récompenses puisqu'ils n'ont pas profité pleinement de l'action à travers une multitude d'intentions. Je m'explique. Tu peux faire une seule action et faire précéder une seule action par plusieurs intentions. Et si tu le fais, tu seras récompensé pour chaque intention. Donc, au lieu de mettre une seule intention quand tu adores ton Seigneur ou quand tu accomplis un acte, eh bien, essaie de mettre le maximum d'intentions. Par exemple, que quand, quand tu vas jeûner le mois du Ramadan, bien sûr, tu vas mettre l'intention d'obéir à Allah subhanahu wa de jeûner le mois euh, du Ramadan, ici, euh, par obéissance vis-à-vis d'Allah Poussé par ta foi en espérant la récompense divine. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit On est d'accord, celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront, seront pardonnés. Ok. Mais euh, ici, tu dois multiplier les intentions. Mais l'intention de te réformer, l'intention de te répentir, euh, repentir, l'intention de devenir meilleur, l'intention de donner le maximum d'au monde, l'intention d'aider les gens, l'intention de te rapprocher d'Allah à travers des actions surérogatoires et des prières surérogatoires au maximum, l'intention de faire toutes les nuits du ramadan la prière de Taraweh, l'intention, l'intention, l'intention. Essaye de multiplier les intentions. la all Allah, afin que, ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, te récompense même si tu as délaissé l'action. Les actions ne valent que par leur intention. Même si tu as délaissé l'action que tu voulais faire, peut-être qu'Allah te récompensera car les actions ne valent que par leur intention. Et le prophète, à titre d'exemple, nous a rappelé dans un hadith que celui qui avait l'habitude par exemple de faire une bonne action ou des bonnes actions, et il, il, il a été empêché de continuer à faire ses bonnes actions parce qu'il est tombé malade, et bien Allah lui inscrira les mêmes bonnes actions qu'il avait l'habitude de faire quand il n'était pas malade. Pourquoi Parce qu'il a eu l'intention sans faire l'action. Donc c'est pour ça que quand tu multiplies les intentions, dans un acte d'adoration, eh bien n'oublie pas, Allah, Jalla wa'ala, Rani, Karim. Allah est riche et il est généreux. Ici, ça, ça ne coûte rien Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Azzawajal, il donne sans compter. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le riche par excellence. Donc multiplie les, les bonnes intentions. De même, un exemple tout banal, tu vas faire euh, les courses, Bien au lieu de simplement te dire bah, je vais faire les courses parce que je dois faire les courses quand tu arrives à la caisse, non. Mais l'intention de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala à travers le fait de nourrir ta famille. Mais l'intention de, 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 de que ça soit une aumône, puisque le prophète a rappelé que l'aumône, c'est bien de la faire de manière générale envers tout le monde. L'aumône à travers... Euh, un sourire, car le sourire est une aumône, mais à travers les bonnes actions, mais à travers aussi l'argent. Mais la meilleure des aumônes, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, c'est l'aumône que tu donnes à ta famille. C'est l'aumône que tu donnes à ta famille. C'est meilleur que si tu l'as donné à une personne qui ne fait pas partie de ta famille et qui est pauvre. Bien que c'est bien de donner aux deux, bien sûr. Mais le prophète, c'est lui qui l'a dit, alayhi wa sallam. Donc l'aumône donnée à la famille est meilleure. Donc toi, tu mets l'intention de faire une aumône, une sadaqah que tu nourris, fils ta famille aussi, afin de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, ici, quand tu as payé à la caisse les 100 euros les 200 euros les 300 euros eh bien, ton intention a fait que, ça et wa ta'ala, ça ne sera pas simplement un achat banal que tu auras fait, mais tu auras fait un achat qui sera considéré comme une aumône, bi et ta'baraka wa ta'ala. Les actions ne valent que, que par leur intention. Donc, ici... Essayez de multiplier les intentions et surtout l'intention de se repentir et de, de devenir quelqu'un de, de meilleur. La deuxième des choses, profitez de Salat al tarawih Sachez que c'est ce soir que commence le mois de du Ramadan. Et donc, vous savez que quand on rentre à, à, dans le Maghrib, donc après la prière de le Maghrib, on est rentré dans la nouvelle journée. Donc, après, à partir de Salat al-Maghrib, tout à l'heure, Inch'Allah, donc on va rentrer dans, dans le mois de, de Ramadan. Donc ça commence ce soir le mois de Ramadan. Donc Salat al-Tarawih commence ce soir. C'est quoi Salat al-Tarawih C'est des prières surérogatoires qu'on fait après Salat al-Esha. Pourquoi c'est important de les faire Car le Prophète sallallahu a dit Men Ramadan wahti sabah, rufira lahu ma ma min Celui qui passe ses nuits en prière pendant le mois du Ramadan, poussé par sa foi et en espérant la récompense divine. Tous ces péchés seront pardonnés, incha'Allah ta'ala. Bien sûr, on parle des, des petits péchés, c'est déjà énorme. Donc tous ces péchés seront pardonnés, la condition « menqama ramadan ». C'est celui qui aura prié tout le ramadan, donc toutes les nuits du ramadan. Donc ne te fais pas avoir en omettant de prier la première nuit du ramadan afin de ne pas être privé de cette grande récompense « menqama ramadan ». Celui qui a prié pendant le mois de, de Ramadan. Donc, tu commences ce soir jusqu'à la dernière nuit, inshallah, du mois de Ramadan. Alors, si tu veux le faire chez toi, je parle de Salat al tarawih Donc, deux unités de prière. Tu fais de teslim, Tu rajoutes encore deux, encore deux, encore deux, autant que tu veux. D'accord Et tu termines par Al-Witr. Si tu veux les faire chez toi, c'est bon. Si tu veux les faire à la mosquée, c'est très bien aussi. Le principal, c'est que tu fasses minimum deux unités de prière tous les soirs du mois de Ramadan après Salat al-Ishah et tu clôtures avec al-Witr une unité de, de prière. Et ça, c'est extrêmement important afin de gagner cette grande récompense. Par contre, ne faites pas l'erreur comme certains le font. Ils accourent au mosquée pour faire Salat al-Tarawih et ils ratent la prière de l'Ishah. La prière de l'Ishah, en gros. Alors que la prière de l'Ishah est beaucoup plus importante, bien sûr, que Salat al-Tarawih. Et pourquoi pas Alors que la prière de laïcha c'est une prière obligatoire. Et il n'y a rien de plus aimé auprès d'Allah que ce qui est obligatoire. Et l'acte pratique le plus aimé auprès d'Allah, c'est Salah, la prière. Et là, il y a une particularité pour Salat al-Aisha et Salat al fajr Donc ne rate pas, faites l'effort, au moins pendant Ramadan, et éduquez votre âme pour que ça continue après Ramadan. Faites l'effort de faire Salat al-Aisha et Salat al-Subh je parle de la prière obligatoire du matin, à la mosquée en groupe. Parce que le prophète, wa sallam, dans un hadith rapporté par Abu Daoud et d'autres, avec une chaîne de transmission authentique, il dit celui qui prit Isha Fi Jama'a, en groupe. Donc, on comprend à la mosquée. Certains savants disent que celui qui a été empêché, qui fait la fait en groupe à la maison, c'est considéré aussi en groupe. Donc, celui qui prit Isha en groupe, donc à la mosquée, Fi Jama'a, aura la récompense de la moitié de la nuit en prière. Allahu Akbar. Vous savez, c'est quoi la moitié de la nuit en prière C'est des heures et des heures. Déjà, quelquefois, pour faire juste cinq minutes la prière, on la fait à 200 à l'heure, il et, et elle est lourde, malheureusement. Dieu a notre faiblesse de foi. Et d'ailleurs, si tu veux connaître quelle est ta relation avec Allah, subhanahu wa regarde quelle est ta relation avec ce qui te lie avec Allah, à savoir -salah, la prière. Voilà, c'est la, la jauge, c'est le thermomètre si on veut. C'est donc retenez ça. Salat al-Isha à la mosquée, la récompense, la moitié de la nuit en prière. Ça, ça s'arrête pas là. Et il dit allez salat al salam, dans ce hadith parce qu'il y a plusieurs versions rapportées par Abu Daoud et celui qui prie al-Isha et subh en groupe c'est comme s'il avait prié la nuit entière. Donc imaginez-vous tout au long de l'année. Vous avez la récompense de qiyamul moulay, la prière de la nuit entière. Allahu akbar. La générosité d'Allah subhanahu wa taala. Car Allah, il sait qu'on est faible, il sait qu'on pêche énormément, il sait que la vie de l'être humain, à notre époque, bien sûr, et il savait cela, Allah subhanahu wa taala. Eh bien, avant qu'il crée les cieux et la terre, et eh bien avant et avant que tout, toutes choses existent, eh bien, il sait que nous, nos vies, sont très courtes par rapport à ceux qui nous ont précédés. On regarde juste Noha alayhi Eh bien, ici, -il, il, il, il a vécu, certains disent 1050 ans, Noha alayhi salam. Les gens vivaient énormément, très longtemps. Donc, nous, on, on peut bénéficier de moins de récompenses puisque on vit moins longtemps. Donc, on peut adorer Allah azzawajal moins longtemps. Mais Allah tabaraka wa ta de par sa rahma, sa miséricorde, il nous multiplie les actions avec peu d'efforts. Regardez, tu pries al-Ishah à l'heure et tu pries à en groupe, tu vas dormir toute la nuit. Pendant que tu es en train de dormir, tu as la récompense de kiyamul Layl, donc que dire de le faire pendant le mois de la Donc, ne ratez pas al Fajr et al Isha. Donc, à l'heure à la mosquée, en groupe, bi Ibn Alors, qu'est-ce qu'on peut euh, retenir aussi de ce, de, de ce qu'on peut donner comme conseil aussi, c'est que puisque beaucoup de monde vont se rendre dans les mosquées eh bien, il y a des bienséances à respecter, fikoum. J'avais fait une petite intervention récemment, improvisée, en disant, c'est un peu un ras-le-bol, parce que je sais très bien que surtout les responsables dans les mosquées, ceux qui gèrent les mosquées, etc., rencontrent beaucoup ce phénomène-là, ce problème-là. Et ils ont beau répéter, mais malheureusement, ça, ça se répète, les erreurs se répètent. La mosquée, c'est pas la foi, Bien que même à la foire, il y, a, il y en a qui ont plus d'adeptes de, de bienséances et de comportements que dans les mosquées. C'est pour cela que quand vous vous rendez à la mosquée, surtout dans ces périodes-là où il y a beaucoup de monde, si vous y allez pour euh, euh, taper la discute, pour regarder euh, votre téléphone, pour euh, euh, perturber les gens pendant qu'ils sont en train de faire un salat, euh, pour rester devant la mosquée, parler fort, euh, alors que l'imam est encore en train de prier, euh, pour euh, crier, crier dehors, ou rire fort, ou je ne sais, vaut mieux rester chez vous. Vaut mieux rester chez vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme je vous avais dit dans la, la vidéo précédemment sur. Euh, je l'avais intitulé la mosquée, c'est par la foire. Il a, il a rappelé que même celui qui va déranger son frère ou même les anges mêlés avec une mauvaise odeur, eh bien qu'il s'éloigne de la mosquée. Je donne l'exemple de l'ail cru, etc. Donc, à partir du moment où tu portes préjudice à autrui dans la mosquée, vaut mieux que l'intérêt général prime sur l'intérêt individuel. Donc, tu vas porter préjudice ici à un grand nombre de personnes, eh bien éloigne-toi de Jana alors, c'est pareil pour tout celui qui va porter préjudice euh, à, à travers, euh, ce pas simplement la mauvaise odeur, mais à travers ses, ses bavardages inutiles, à travers euh, son mauvais comportement, à travers ceci, ceci, cela. Donc, vous connaissez un peu, vous savez ce qui se passe un peu dans, dans, dans les mosquées, même d'ailleurs, que ça soit même le Joumois, ce qui est impressionnant d'entendre de, de, des gens quelquefois parler ou regarder leur téléphone ici pendant le fi <laughs> il pendant le Khotba de Joumois, ça rentre pas dans la tête. Euh, donc c'est pour cela barakallahu Fekoum adopter un certain comportement euh, des bienséances' séances barakallahu fikum, surtout pendant ces, ces, ces périodes là euh, vous savez qu'il y a du monde donc essayez même de faire euh, c'est une petite parenthèse hein, les ablutions chez vous à, à, au lieu de les faire à la mosquée parce que s'il y a un attroupement dans les salles d'ablutions, voilà essayez de donc voilà c'est du bon sens voilà d'accord c'est du bon sens et ici c'est un comportement de base que doit avoir d'ailleurs le musulman on n'a pas besoin normalement de, de, de le rappeler Parmi les, les conseils que j'ai à vous donner pour euh, que rien ne vous échappe, Inshallah, comme grande récompense pendant le mois de Ramadan, fa'inna fis sahuri baraka, dit ali salatu Le prophète sallallahu alayhi wa a rappelé qu'il était important de prendre le sahur. Euh, euh, il dit, prenez le repas du matin, car dans ce repas-là, il y a une baraka, une bénédiction. Et on a tous besoin de baraka dans notre vie, dans notre santé, dans nos biens, dans nos enfants dans notre argent, dans, nos, dans notre temps, la bénédiction, elle vient de qui D'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on doit chercher ici la bénédiction où elle est. Et la bénédiction se trouve dans le Coran. C'est pour ça qu'il est important de commencer sa journée en lisant le Coran. Allah il dit dans le Coran, bon mubarak, Donc, et on a, C'est un livre béni qu'on a descendu sur toi, au Mohammed. Donc à travers la lecture du Coran, tu, tu puises ici une, une, une certaine force, une bénédiction. Donc, c'est important. Mais aussi, là, pendant le ramadan, le prophète nous dit la baraka, elle est dans le suhour. C'est le repas qu'on prend avant le fajr. D'accord Donc, si le fajr, par exemple, c'est à 4h30, bien sûr, à 4h30, vous devez stopper arrêter de boire et de manger et ne pas faire comme certains font. À la dernière fraction de seconde, il est encore en train de boire et de manger. Non, non, ça c'est s'approcher des limites d'Allah et jouer quelque part avec la religion. D'accord Donc il y, a, il y a toujours ce principe de précaution. Même le prophète a, a arrêté une certaine période ou euh, un certain moment avant Salat al-Fajr. Euh, ici les compagnons ils ont dit que c'était le temps qu avait, qu'il y qui avait pour réciter à peu près une cinquantaine de versets d'après une version donc à peu près un quart d'heure un quart d'heure avant euh, ce qu'on appelle l'abstention qui n'est pas une bida mais qui est même une sunnah pour ceux qui comprennent les textes, et eh bien ici c'est bien d'avoir ce principe de précaution en tout cas c'est ce repas qu'on prend on dit sahur, c'est le repas en lui-même, as-suhur, c'est le fait de prendre ce repas là sahur et suhur, donc c'est une sunnah et ici, de prendre le, le suhur, car le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a dit « tasahharu et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit « mutasahhirin » Allah subhanahu wa ainsi que ses anges, prient sur celles et ceux qui prennent le repas du matin. Et il y a un texte qui nous rapporte que, même si ce n'est qu'une gorgée d'eau, parce que certains disent « moi, le matin, je ne peux rien avaler bah, », par principe, euh, cherche la baraka. Obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète prend juste une gorgée d'eau d'accord, si tu peux manger plus tant mieux, si tu peux prendre juste au moins une gorgée d'eau eh bien euh, c'est très important de le faire puisque c'est une sunna qui apporte une baraka, et une bénédiction pour la journée insha'Allah ta'ala pour ta santé, qui t'assistera à cette baraka, insha'Allah te permettra de jeûner plus facilement euh, Al-Maghrib Al-Maghrib bien sûr c'est le temps où euh, ici, on peut rompre le jeûne. Eh bien, vous savez que même il y a des spécialistes, euh, des nutritionnistes, des médecins, quand ils parlent euh, de, du jeûne, parce que pour certains, c'est devenu un peu un effet de mode, hein, le jeûne. Et certains, c'est un moyen de, 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 de se soigner aussi. Certains font le jeûne intermittent, etc. Mais pour nous, c'est une ibada. On ne fait pas les actions ne valent que par leur intention. Et les intentions doivent être exclusivement comme Allah dit dans le Coran. Il ne leur a été cependant commandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif pur. On ne mélange pas des intentions de dunya avec le religieux en mettant en priorité de dunya. Non, non, je jeûne par soumission envers Allah, pour me rapprocher d'Allah, pour me réformer, pour faire du bien à Mais d'autres jeunes, euh, c'est médical, c'est pour X ou Y raison. En tout cas, c'est pour ça qu'on entend beaucoup de médecins qui parlent du jeûne, etc., et qui donnent des conseils. Et ils disent, ils sont, ils sont tous d'accord sur le fait que quand quelqu'un a jeûné, par exemple, plus de 10 heures, 10, 15 heures, ben il, est, il est déconseillé de, de manger de façon quelque part brutale. Euh, le premier repas. qu'il préconise même de prendre. J'écoutais un, un médecin qui disait, ou un nutritionniste, je ne sais plus, bon, c'est pareil, et qui disait de, de prendre quelque chose de sucré et d'attendre une dizaine de minutes ou quelques minutes et ensuite prendre son repas. afin de Parce que le repas était en, en pause quelque part, le, le repas, pardon, l'estomac était en pause pendant plus de 10 heures, peut-être, voire 15 heures. Donc, ici, afin de. De, de, de le préparer à recevoir cette nourriture, c'est bien de prendre quelque chose de léger, de sucré. Bah, subhanallah, la sunna du prophète alayhi wa sallam, nous apprend qu'il est important et il est bon de rompre le jeûne avec des dates, comme le prophète alayhi wa sallam, le faisait. Ou bien, à défaut, avec de l'eau. Et ensuite, normalement, on fait quoi On fait la prière. Donc, c'est pour ça que je vous recommande de ne pas vous précipiter à aller à table dès qu'il y a l'adhan de Salat al-Mahrib. Dès qu'il y a l'adhan, Prenez une date, prenez de l'eau, vous pouvez manger quelque chose, bien sûr, mais ne vous installez pas vraiment pour prendre le repas complet avant d'avoir fait Salat al-Mahreq, surtout que vous savez que la prière de l'Al-Mahreq, son temps, euh, son temps euh, ici, l -l 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 -l, euh, son, temps, son premier temps, il est très court. D'accord Son premier temps de al mahreq il est très court. Donc, euh, certains, comme dans l'école malikite, ils disent que c'est le temps de faire les ablutions, de faire de rak'at. Certains disent que juste le temps de faire les ablutions. C'est pour ça que dans les mosquées, en général, on attend au lieu de 10 minutes, quand, en général, il laisse 10 minutes, juste 5 minutes entre l'adhan et l'Iqama. Donc, il est assez court. Donc, prenez des dates ou prenez de, de l'eau, mangez quelque chose de léger, faites le maghrib d'abord et ensuite installez-vous pour, euh, euh, pour faire salat. Pour faire salat, non, vous avez fait salat, ça y est. Pour, euh, pour manger euh, shabakia et. Et el et et, et et je ne sais quoi encore. Donc, euh, retenez aussi un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous, nous a rappelé l'importance de, de Ramadan. Et c'est quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il faut méditer quant à cette chose extraordinaire qui se passe. Il à Ramadan, quand le Ramadan vient, donc la nuit, donc la veille de la première journée de jeûne, donc dès ce soir, inshallah, tabaraka wa Ô oh, toi, il y a un habitant des, des, des cieux qui lance un appel. Ô oh, toi qui veux le bien, approche. Ô oh, toi qui veux le mal, recule, c'est pas pour toi. Et les portes du paradis s'ouvrent. Et les portes de l'enfer se ferment. Et les shayatin les plus néfastes ici sont enchaînés. Allah te facilite l'entrée au paradis. Les portes du paradis s'ouvrent. À travers la facilité des actions qui sont multipliées. Non seulement mu facilité, mais aussi multipliée. À travers la facilité qui est que tu as déjà un ennemi qui est mis de côté. Les shayatines les plus influents, les plus néfastes, les plus mauvais. Maintenant, c'est toi et ton âme. Voilà. La bataille n'est pas terminée. Mais au moins, tu as déjà un ennemi qui est, qui est sur le côté. Donc maintenant, à toi de, de combattre ton âme, d'éduquer ton âme. Donc Allah, Azzawajal, ici, tu as. T'as facilité ce chemin vers le paradis. Il t'a enlevé beaucoup d'obstacles néfastes. Et c'est pour cela que vous voyez l'engouement chez beaucoup pendant Ramadan, même ceux qui étaient très loin de la religion, même ceux qui euh, sont à peine pratiquants, même ceux, Tout le monde a quand même voilà, la fitra. Eh bien, Alhamdulillah, euh, se réveille de manière plus intense pendant Ramadan qu'en dehors de Ramadan. La foi, elle se réveille. Et la foi, alhamdoulilah, elle augmente plus facilement pendant la Ramadan qu'en dehors de, du mois de Ramadan. Donc, malheureux est celui qui va pas profiter du mois de, de Ramadan. Et c'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, quand il était monté sur le Mimbar, il a dit « Amin, Amin, Amin » à trois reprises, comme vous connaissez sûrement le hadith. Et quelqu'un a dit « Oh, messager d'Allah, tu es certes monté sur le Mimbar et tu as dit Amin, Amin, Amin. Amin, ça veut dire « Allahumma stajib » Allah accepte ». À trois reprises. Et le prophète wassalam, a dit, certes, Jibril est venu me voir. Et Jibril a dit celui qui atteint le mois de Ramadan et il ne lui est pas pardonné et rentre dans le feu, qu'Allah l'éloigne. Et j'ai dit Amin. » Tellement que c'est facile, en fait, de se rapprocher du paradis, de s'éloigner du feu pendant le mois de Ramadan. Et il a dit à deux autres reprises Amin, le prophète wassalam, a dit, euh, euh, la, 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 celui euh, qui atteint ses deux parents, donc Jibril a.s. Il dit Celui qui atteint ses deux parents ou l'un deux, deux, d'eux et ne se comporte pas bien avec eux, puis meurt et rentre dans le feu. Qu'Allah l'éloigne. J'ai dit amine. Et ensuite, il dit Celui auprès de qui tu es mentionné ne prie pas sur toi, meurt et rentre dans le feu. Qu'Allah l'éloigne. Et j'ai dit amine, Rapporté par Ibn Khuzayma. Donc, on voit, on voit le, 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 le malheur que c'est que de ne pas profiter du mois de Ramadan et le malheur que c'est que. D'être parmi les gens qui ont cette, cette, euh, cet honneur, cette chance d'être sur la terre et pas sous la terre. Ô combien, et à chaque année, on le dit, peut-être que nous, on ne sera pas là l'année prochaine, et on dira cela aussi de nous, ô combien sont sous la terre, et ils auraient mais, tout donné, tout donné, tout donné, pour, pour, pour accomplir un mois de, de Ramadan. Mais que dis-je Une prière <laughs> Wallahi, comme le prophète Alis wa l'a rappelé quand il, passe, il est passé devant une tombe, il dit, il rappelait à plusieurs reprises, Sahaba, salaf, tout le monde le disait, si tu prends n'importe quelle personne qui est dans sa tombe, wallahi, tu lui proposais les biens d'ici bas et les richesses du monde et la royauté de, de, de ce monde, c'est le roi du monde. Voilà, on parle de ce monde terrestre, hein, bien sûr, qui est une royauté limitée, hein. mais mulk, mulk c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Contre deux rak'at. il voudrait rien du tout, il voudrait que les deux rak'at. Mais non, on banalise ces deux unités de prière. Parce que deux rak'at, certains salades disaient si j'étais sûr qu'Allah avait accepté juste une prière de moi, j'aurais souhaité mourir. Parce que si j'étais sûr à 100% que juste une prière était acceptée, alhamdulillah, regardez la modestie, l'humilité, la, la, la retenue qu'ils avaient, l'espérance les, de voir leur action acceptée. Que dire d'un mois tout entier du mois de Ramadan, alors que le prophète a dit Celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi et en espérant la récompense divine, tous ses péchés seront pardonnés. Les actions sont multipliées. Tout ce que tu vas faire va être multiplié pendant, pendant le mois de, de Ramadan. Tu vas, euh, tu vas allier les actes d'adoration qui sont parmi les plus grands et les plus aimés d'Allah, à, 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 à savoir les aumônes. Le jeûne, la prière et la l'akhiré. Donc profitez au maximum pendant, euh, pendant ce mois de Ramadan. Et, et ce n'est pas compliqué de se rapprocher d'Allah Azzawajal énormément pendant le mois de Ramadan. Je vous donne juste un hadith. Ce hadith-là, il est rapporté par Ahmed avec une bonne chaîne de transmission. Le prophète, alayhi wassalam, il dit « Le meilleur des jeunes le meilleur des jeûnes, il fut interrogé pardon, à propos des, des, des jeûneurs des qui ont le plus de récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète a dit ce sont celles et ceux qui évoquent le plus Allah subhanahu wa ta'ala Akbar C'est simple Ceux qui veulent faire partie de, 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 de celles et ceux qui vont avoir le plus de récompenses Auprès d'Allah ta'ala ta pendant le jeûne, et pendant le jeûne du Ramadan aussi, et le jeûne de manière générale, et eh bien qu'il multiplie le vikr. Aussi simple Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullah, La ilaha illallah, Subhanallah, Alhamdulillah, et ainsi de suite. Et le vikr, c'est le rappel d'Allah Azza wa Jalla. tout ce qui te rappelle Allah est du vikr. Comme le rappelle Ibn al-Qayyim par exemple, le fait de méditer, sur la création des cieux de la terre, tu te rappelles d'Allah C'est du rappel. C'est du vikre. Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Akbar, c'est du vikre. Donc, rappelle-toi énormément d'Allah, Tabaraka, Ta'ala, à travers la lecture de sa parole, Al-Qur'an, à travers les istighfar, le tesbih, le tahmid, le tahlil, à travers les invocations du soir et du matin, il a akhiri. Faites beaucoup de vikre, car le vikre, ça purifie le cœur. Le vikre, ça nettoie le cœur. Le vikre, أنت تنظر الذكر سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر إلى آخره وذلك يمكننا الله عز وجل الله عز وجل القرآن وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمَّ مغفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا هؤلاء الذين يتحدثون الله تبارك وتعالى الله القرآن كثيرًا Allah leur, a préparé, Allah leur a préparé un grand pardon, une grande récompense, donc Al-Jannah au paradis. Donc vous voyez comment on gagne le paradis avec du dhikr, beaucoup de dhikr, ici de manière générale, particulièrement pendant, pendant le mois de, de Ramadan. Et enfin, n'oubliez pas que le, le, le Ramadan c'est une école. Qui nous apprend ce qui nous manque beaucoup. Je ne vais pas être encore dans le négatif quand je parle de la communauté, parce que la communauté, il y a un énorme bien. Il y aura toujours un grand bien dans la communauté. Et, mais c'est vrai qu'on a, a des déficiences. Et parmi les grandes déficiences qu'on a, c'est le manque de discipline. On n'est pas assez discipliné, alors que l'islam appelle à la discipline. On prie à des heures bien précises. On s'aligne, d'accord, avec des rangs bien alignés, dans des, des rangs bien alignés. On prie derrière un imam, on ne devance pas l'imam. On... Vous voyez, l'islam appelle toujours à la discipline. On, on jeûne en même temps, on rompt le jeûne en même temps à une heure bien précise. Euh, on fait... Donc ça, l'islam appelle à la discipline. Mais on manque de discipline et c'est pour cela qu'on n'arrive pas à avancer quelquefois dans notre apprentissage de la religion. On met... ne on sait pas où mettre la tête. Alors, on veut apprendre un peu l'arabe, après on abandonne, on veut apprendre le Coran, on abandonne, on se dit, oui, mais oh là là, il faut que j'apprenne, euh, il faut que je fasse des cours de fer, on commence le fiqh, après on se dit, euh, bon, c'est trop compliqué, non, non, il faut que j'écoute un rappel, ah non, il faut... Et à la fin, une année passe, qu'est-ce que tu as fait de concret Quasiment rien. Tu as picoré ici et là. Pour, pourquoi Parce qu'on n'a pas de... On n'est pas assez discipliné. On n'est pas assez organisé pour ça qu'il est important de comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa, wa lorsqu'il nous a rappelé que les actions les plus aimées auprès d'Allah, ce sont celles, donc les actions qui sont régulières même si elles sont minimes. Donc d'abord, on se concentre dans tout ce qui est obligatoire. Quand vous faites ce qui est obligatoire correctement, là, hop, passez à la deuxième étape, passez à ce qui est surérogatoire. D'accord Ça, c'est la première des grandes règles. Ensuite, la deuxième des choses à savoir, c'est que l'apprentissage de la science, c'est une obligation aussi. D'accord C'est une obligation pour tout croyant. Donc, tu dois commencer par apprendre quoi et, 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 et prononcer quoi et dire quoi. Ce qui t'est bénéfique ne va pas apprendre des choses qui ne vont te servir à toi que très peu, alors qu'il y a d'autres choses qui vont te servir beaucoup, bien que tout sert. Mais il est là dans la religion. Donc, regarde les priorités, ce qui t'est bénéfique. Parce que quand on apprend la science, quand on adore Allah subhanahu wa c'est pas pour les gens, c'est pas pour dire je connais ou j'ai fait. Non, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu ni plus ni moins. On apprend la science pour adorer Allah au mieux. Si tu apprends beaucoup de science et que cette science tu vois qu'elle ne t'a pas permis d'augmenter ou d'améliorer tes actes d'adoration, sache que ça sera sûrement une science qui sera un argument contre toi et pas pour toi au jour de la résurrection. Mais si tu as plus de sens, ta science s'accroît, mais qu'en parallèle, tes actions eh bien, augmentent ou bien s'améliorent en qualité, c'est une science, inshallah bénéfique. Donc, commencez par ce qui est le plus important. Donc, bien sûr, les, les prières obligatoires. Euh, le, quand vous vous levez le matin, essayez de faire un programme de la journée. Parce que si vous organisez bien votre journée, sachez que votre année, votre vie sera organisée. Parce qu'après, ça, ça ça se duplique, ça y est. Donc, concentre-toi, ne te dis pas qu'est-ce que je vais faire cette année. Non, 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 non. Qu'est-ce que tu vas faire cette journée? Si tu as organisé, réussi à, réussi à organiser une journée dans ton emploi du temps, eh bien, sache que toute ton année, sache que toute ta vie sera organisée et tu es discipliné. Donc, prends une journée, c'est plus simple. Plutôt que de dire dans un mois, je vais faire dans deux mois, non, non, demain, 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 c'est quoi ta journée Prends un papier, un stylo et commence. Je fais mes prières à l'heure, alhamdoulilah, khalas, très bien. Je fais mes invocations du soir et du matin. Oh, combien délaissent ces invocations du soir et du matin Et ensuite, ils se plaignent quand il leur arrive ceci et cela. Bien sûr, on fait les causes. Bien sûr, quand on est malade, on va chez le médecin. Bien sûr, euh, euh, on fait attention quand on roule, on met sa ceinture de sécurité. Tout cela, c'est obligatoire, ça fait partie des causes. Et ça fait partie du tawakkul, sa confiance en Allah Azza wa Mais nous, en tant que croyants, on a des causes spirituelles dont on ne néglige pas, qu'on ne doit pas négliger. Et ces causes-là sont al-vikr al Vous croyez que c'est pour décorer les invocations Le fait de dire trois fois le matin et le soir, est-ce qu'on les dit tout le temps Bismillahi l'avi, la ma'asmihi shay'un fil ardi wa la wa huwa Au nom d'Allah, en compagnie de celui qui. Ici, là, il n'y a rien ne peut me nuire, que ce soit dans les cieux et la terre. Alim, c'est lui qui entend tout et qui sait tout. Le fait de le dire trois fois le matin et le soir, ça, il faut jamais les abandonner. Commence ta journée le matin et le soir avant de dormir, commence par le Ce C'est pas tu fais ta prière ça, en tu prends ton téléphone portable et tu regardes ton téléphone portable. Après, tu dis j'ai pas le temps, ou après tu te plains parce que tu sens de l'angoisse, du stress. Du... T as fait tes invocations, non Voilà, voilà. Ça ne sert à rien de, de, de venir répéter ces problèmes si déjà tu n'as pas frappé à la bonne porte. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il t'a donné la solution. Moi, tu veux que je t'apporte quoi tu, tu ne veux pas appliquer ce que Allah et son prophète te disent. Tu vas appliquer ce que moi je te dis. Moi je vais te dire, applique ce qu'Allah et le prophète t'ont dit. Y a que ça que je peux te dire. C'est pour ça que certains, malheureusement, ils ne comprennent pas ça. Et quand tu leur dis, est-ce que tu fais tes invocations du soir et du matin déjà Tu leur demandes ce conseil-là. Est-ce que tu fais tes prières alors Ils disent, oui, oui euh, ça, ça m'a... Mais bref, j'ai un problème. Non, non, ton problème, c'est que tu n'as pas compris pourquoi tu avais des problèmes. C'est ça ton problème. <laughs> moi, je n'ai pas de solution miracle. Moi, je suis comme toi. Abdun da'if, Abdullah, servant d'Allah Azza wa Donc, tes invocations du soir et du matin, fais-les. Le fait de dire, regardez la, la dua,

Donc cette invocation où on reconnaît qu'Allah c'est lui notre créateur et qu'on est faible et qu'on vient auprès d'Allah en étant reconnaissant de tout ce qu'il nous a accordé et tout ce qu'il nous a octroyé, qu'on vient à lui avec nos péchés et on demande à Allah de nous pardonner car nul ne peut nous pardonner si ce n'est lui. Celui qui l'a fait le matin, il meurt dans la journée. Le prophète a dit « al jannah » il rentre au paradis. Et celui qui fait cette invocation le soir, il rentre, il, il meurt dans la nuit. Eh bien, Inch'Allah ta'ala s'il l'a fait sincèrement, en ayant la certitude quand il a prononcé cette invocation, il meurt et rentre au paradis, inshallah. Pourquoi on ne les fait pas On dit on veut le paradis, mais des choses simples on ne les fait pas. Réciter al falaq, nas Tout le monde les connaît. Trois fois le matin et le soir. Raphaël sallallahu alayhi wa sallam jamais il les délaissait. C'est les protectrices et les plus, les plus importantes quant au verset, on va dire, et aux adeïas, aux, aux invocations. Qui, puis, euh, qui, qui protège surat al falaq et surat al-nas et surat al-ikhlas trois fois le matin trois fois le soir on les fait tout le temps donc vous voyez ça commence par des choses comme ça simples mais il faut être régulier et discipliné quand j'ai fait mes invocations alhamdoulilah khlas si j'ai le temps de faire mon programme de Qur'an parce que tout le monde doit avoir une relation avec le Coran toute ta vie le Qur'an comme il disait un, un pieu c'est euh, comme un, un, un ami intime plus tu le, le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets donc, si tu veux découvrir les secrets du Coran, si tu veux purifier ton cœur, Allah a appelé l'âme, parce que c'est l'âme du croyant. Et le prophète a rappelé que celui qui n'a pas de Coran en lui est similaire à une maison en ruine. Donc, ici, si tu veux avoir un cœur qui vit, une âme qui vit, une âme forte, al le muntmainna incha'Allah acquérir cette âme ici qui est apaisée, eh bien, garde une relation avec le Coran tous les jours, ne serait-ce qu'une demi-page que tu lis, une page. Sinon, si tu as un programme de révision, un programme d'apprentissage, ça c'est autre chose. Mais au moins de la lecture. Vous voyez, quand vous entendez des imams, imams chefs qui terminaient 60 fois le Coran dans, 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 dans le mois, 60 fois, euh, des, des, des compagnons qui, euh, si je ne me trompe pas, Abdullah ibn Jubayr qui avait l'habitude de terminer le Coran tous les deux jours. Euh, qui... Et nous, peut-être certains, dans leur vie, n'ont pas lu le Coran une fois chaque lettre du Coran, c'est 10 hassanet. Une lettre, vous imaginez, vous dites euh, Bismillahirrahmanirrahim, vous avez peut-être 200 hassanet, 200 bonnes actions, et une bonne action efface une mauvaise action. Des milliers de bonnes actions qu'on laisse comme ça, al Coran. Subhanallah. Et les gens vous disent, oui, mais je ne sais pas lire l'arabe. Allez, eh lire l'arabe, c'est une semaine. C'est un programme d'une semaine, c'est rien du tout. C'est très facile. Donc, disciplinez-vous, mettez-vous dans, dans un, un, un programme. Vous dites chaque jour, j'ai mon Coran, j'ai mes invocations, J'essaie de de faire du bien autour de moi. Euh, J'essaye d'avoir euh, un petit programme de rappel parce que le croyant il a besoin de rappel parce que la foi elle, elle monte et elle descend. La foi augmente de par l'obéissance envers le miséricordieux et elle diminue plus on obéit à Shaitan. C'est pour ça qu'on a besoin de rappel. Imaginez-vous quelqu'un n'entend jamais des rappels. Alors je ne parle pas des rappels tout le temps de 30 secondes 20 secondes sur les réseaux c'est bien c'est des rappels il y a pas de problème un rappel même 10 secondes 5 secondes c'est bon mais non il y a, y a rappel et rappel c'est des rappels quand même euh, assez constructifs que tu vas que tu vas écouter qui dure un peu pas 30 secondes on s'est compris c'est bien de prolonger un peu 5 minutes 10 minutes 15 minutes même trois minutes mais ça c'est des rappels mais avoir ce rappel là qui qu'on écoute assez souvent mais aussi qu'on éduque son âme à travers de la science bénéfique, des cours. Et des cours, ça, 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 la science islamique ne s'acquiert pas qu'à travers des rappels de 30 secondes ou une minute ou trois minutes. Non, 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 ça, c'est des cours. C'est des cours de fiqh, des, des cours de Harida, des cours sur la SIRA. Ça dure 30 minutes, ça dure une heure, ça dure deux heures. ça, ça Il faut se former. Prenez l'habitude. Éloignez-vous de cette... Paresse intellectuelle, surtout aujourd'hui à l'ère des réseaux, et eh bien tout va tellement vite sur les réseaux que quand on veut prendre un livre, oh là, c'est lourd Le livre, il pèse plus lourd qu'une montagne. Pourquoi Parce qu'on a l'habitude de tenir pas un livre dans les mains, mais un téléphone. Donc c'est pour ça que il faut faire attention, il faut faire une coupure avec tous ces réseaux sociaux aussi pendant la madame, si on regarde tout et n'importe quoi. D'accord Je ne dis pas qu'il y a que du mal dans les, dans les réseaux et sur le net, mais on sait très bien que quelquefois, c'est, et souvent, c'est une énorme. Perte de temps. Donc, faut faire attention. Le temps, c'est précieux. Le temps, il faut l'utiliser à bon escient. On perd tous un peu notre temps quelquefois. On a tous besoin des moments de, de détente, etc. Je ne parle pas d'être de, 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 des anges ou, ou des robots ou des. Non, 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 non. Mais il ne faut pas exagérer. Quand quelqu'un dit, je pas le temps pour la religion, pour apprendre à lire l'arabe ou pour apprendre sa religion, et par contre, tu lui dis, allez, vis-y, monte ton téléphone, parce qu'on peut voir combien de temps tu as passé sur le téléphone, et que tu vois qu'il a passé 2h30 ou 4h ou 5h alors que l'apprentissage de la religion ou la lecture du Coran, c'est juste 10 minutes la lecture du Coran, donne juste 10 minutes ou 20 minutes ou 15 minutes, l'apprentissage si tu fais un programme religieux, de faire quoi que ce soit tu peux juste prendre 30 minutes par jour c'est déjà très bien donc quelquefois on se ment à soi-même donc c'est pour cela que en tout cas je vous recommande de, de vous faire un programme régulier pendant le mois de Ramadan et parmi les, les, les choses hein, euh, ici que, que je vous recommande, c'est d'essayer de, de faire un programme en famille alors, il y a plein de plateformes maintenant, aujourd'hui, parce que les gens disent oui, mais je travaille ou je peux pas, ou, ou on peut pas aller en famille à la mosquée, etc. Il y a plein de plateformes, euh, aujourd'hui, alhamdoulilah, ça c'est le bon côté du net, euh, qui propose des cours, qui proposent des choses, etc., et qui sont bénéfiques. Alors, il y en a plein, hein. je ne fais pas que la promo de notre plateforme-là, peu importe la plateforme à laquelle vous adhérez, à partir du moment c'est des cours bénéfiques, constructifs pour toute la famille. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Nous, par exemple, on a mis en place la plateforme Dini TV, Dini.tv. Euh, D'ailleurs, je vous laisserai, hein, parce que tout le mois de Ramadan, à chaque fois, pour que ça soit accessible à toutes et à tous, on donne un, un code promo déjà. Bon, c'est pas du tout cher pour, pour les centaines d'heures euh, qu'il y a et la qualité de la plateforme digne d'une plateforme Netflix, hein, pour ceux qui connaissent, et à catégorie enfants et adultes. Mais euh, vous, vous pouvez utiliser le code Ramadan, vous tapez Ramadan, vous avez 30% en plus du prix, et il n'y a, a pas d'engagement à l'année, vous pouvez résilier quand vous voulez, vous pouvez prendre que un mois, il n'y a pas de problème à cela. Donc moi, en tout cas. Euh, ici cette plateforme on l'a mis en place avec pas que un intervenant on a mis plein d'imams de France des, des professeurs etc qui interviennent pour pouvoir permettre à toutes les familles d'avoir une ambiance islamique à la maison, d'avoir une ambiance religieuse même si vous n'avez pas le niveau, alhamdoulilah il y a une catégorie pour enfants, il y a des cours pour apprendre à lire arabe, il y a des quiz d'ailleurs il y a une nouvelle série de quiz avec un format très intéressant qu'on va mettre de, demain sur la plateforme InshaAllah et tout et bien sûr, chaque mois, on enrichit encore plus la plateforme hein, sans que les anciennes vidéos et séries ne disparaissent, bien sûr. Et, et vous allez voir, on a mis un, en place un quiz pour que ça soit un apprentissage en famille agréable, mais pas axé que sur l'islam. Bien sûr, il y a des quiz sur l'islam pour enfants, pour adultes, mais aussi sur la langue arabe, pour apprendre du vocabulaire arabe en famille à travers des quiz, mais sur la langue anglaise aussi. On a mis des quiz culture générale. Euh, on a essayé d'élargir. Vous allez voir, c'est quelque chose de, de, de très intéressant. Et en tout cas, euh, par exemple, là, pour le mois du ramadan, beaucoup disent est-ce que ça, on peut faire ou on ne peut pas faire bah, Apprenez les règles du, du jeûne. Comme ça, au moins, vous êtes tranquille. Euh, par exemple, sur la plateforme, j'ai fait toute une série sur les règles du jeûne, basées particulièrement sur l'école de l'imam Malik. Voilà, vous allez avoir des cours scientifiques. Habituez-vous à suivre des cours, des séries de cours, des formations académiques un peu plus scientifiques. Montez le niveau. Alors, on a mis des choses aussi détentes, des, hein, des exhortations, on a mis euh, la vie des prophètes dedans. On a, voilà, il y a des centaines et centaines d'heures pour toute la famille. Vous n'avez plus qu'à la mettre. Vous pouvez regarder sur la télé aussi. Vous pouvez regarder sur vos téléphones. Il y a applications spécifiques téléphone, applications télé, etc. sur ordinateur. Donc, il n'y a pas d'excuse. Donc, vous n'avez plus qu'à mettre. Et vous pouvez, par exemple, j'ai fait une série sur euh, les jardins du paradis en famille. J'ai voulu faire vraiment une, une série d'exhortations de, de, très simples, adaptées pour les petits et les grands, pour les parents et les enfants. C'est des exhortations de 15 minutes, 10 minutes. Chaque soir, vous pouvez écouter une. C'est basé particulièrement sur les, les, les récits qu'il y a dans les hadiths qu'il y a et les chapitres qu'il y a dans le jardin des vertueux. C'est une exhortation, Voilà, ça met une ambiance à, à, dans la maison. Euh, voilà, ça, ça C'est une source de baraka, de bénédiction que de euh, se réunir en famille, d'écouter une exhortation. Ça apporte la discipline euh, aux enfants comme aux parents. Et c'est un, un moment euh, voilà qui, qui, euh, qui permet de lier les liens aussi. Euh, de la famille. Donc, il euh, y a plein de séries que vous pouvez regarder et vous pouvez même voilà choisir. Après, il ne faut pas s'éparpiller aussi. Si, euh, Gardez toujours euh, un côté détente, donc euh, des exhortations ou alors des quiz en famille, etc. Mais essayez de choisir une série, d'accord, Important. Par exemple, si vous ne savez pas lire l'arabe, il ben, y a une série pour apprendre à lire l'arabe, il y a 10 cours. 10 cours, vous êtes, vous savez lire l'arabe. Donc faites-vous ce programme, dites-vous « Pendant Ramadan, je veux apprendre à lire l'arabe ». Masha'Allah, tu finis Ramadan, tu sais lire l'arabe, même si tu lis avec difficulté. Le prophète a dit « Celui qui lit avec, avec facilité sera avec les nobles anges, celui qui lit en, en bégayant tout doucement, il a du mal, il aura deux récompenses D'accord pour la lecture et pour l'effort qu'il fait ». Donc oui, mettez-vous en programme, quelqu'un qui dit « moi je sais lire l'arabe, j'ai envie d'apprendre l'arabe littéraire, à parler, à comprendre l'arabe ». Il y a une série de 50 cours du premier tome de basés sur le premier tome de médine et sur l'Arabia Bayna yadek que j'ai donné, vous pouvez les, euh, suivre les cours, etc. Il y a des formations, il y a des bon, il, y a, il y a vraiment tout, il y a des catégories fiqh, jurisprudence, en général c'est basé sur l'école malikite, il y a une catégorie sira, histoire, donc la sierra du prophète, la sierra des compagnons la sierra des, euh, des prophètes etc, il y a une catégorie formation formation au mariage, formation euh, au rite funéraire, formation etc donc, vous voyez, vous allez voir qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir s'épanouir et le niveau il est adapté à tout le monde c'est pas un niveau qui est très élevé c'est pas un niveau qui est euh, euh, aussi euh, c'est pas des cours euh, simplistes etc non mais ça a été le but c'était de simplifier au maximum d'entre vous donc euh, hamdulillah entre guillemets il y a pas d'excuse il y a pas que notre plateforme il hein, y a d'autres plateformes hamdulillah maintenant euh, sur le net donc profitez euh, pro c'est quand vous prenez un abonnement c'est c'est pas perdu c'est un abonnement que vous allez prendre euh, si vous prenez une plateforme euh, x ou y ils sont spécialisés dans la langue arabe ou autre c'est c'est pas perdu donc euh, voilà investissez aussi pour votre pour votre science islamique pour votre euh, éducation religieuse pour c'est très important surtout pendant le mois de, euh, de Ramadan d'accord donc en tout cas ceux qui veulent euh, aller sur la plateforme euh, dont je vous parle c'est dini.tv d-i-n-i.tv et vous mettez le code ramadan il y a un code ramadan r-a-m-a-d-a-n et vous avez en plus 30% allah ou donc profitez pour celles et ceux qui veulent euh, qui veulent se faire un programme c'est une parenthèse hein, euh, en famille et mettre une ambiance chaque soir Mettez une vidéo. Voilà, vous lancez la vidéo, entendre Allah a dit, le prophète a dit, dans une ambiance à la télé. Vous pouvez regarder directement, directement sur la télé, en téléchargeant l'application sur la télé. Et voilà, vous avez cette ambiance-là qui vous permet d'évoluer et d'avancer en famille. D'accord C'est très important. Profitez au maximum de, de ce mois de Ramadan. On essaiera de, 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 de faire quelques exhortations live, comme ça, j'essaierai d'intervenir, Inch'Allah, euh, pendant le, le, le mois de, de Ramadan. Si cela vous intéresse. Et euh, en tout cas, qu'Allah nous permette à toutes et à tous de profiter au maximum de ce mois de ce mois béni et qu'Allah nous permette d'être constant et régulier euh, après Ramadan et qu'Allah nous accorde surtout sincérité et conformité à travers nos paroles et, et nos actes. Amin et Rabbil Alamin. Alors, euh, je vais juste rapidement vous laisser un peu la parole, comme promis. Le problème, c'est que là, j'ai. 2000 et 2000, donc si je lâche euh, tout, tout partout les, les chats, je ne sais pas si ça va vraiment le faire. Alors attendez, Moi, sur YouTube déjà, après je prends comme ça à la volée. Donc je, je sois éduqué, ne mettez pas tout et n'importe quoi. Bon, après il y a toujours des gens qui rentrent, qui bien sûr n'ont euh, rien à voir même avec l'islam, hein, qui font exprès d'être, euh, s'appelait Mohamed euh, Abou. Euh, Abu Batata, quelquefois, pour dire que je suis musulman, il n'est pas musulman, pour faire la fitness, ça on connaît, mais bon. Alors, personnalisation, chat, ok. Donc pour YouTube, c'est bon. Et pour vous, euh, activez les commentaires. Ok. Voilà, voilà, là on euh, fait comme en tout cas C'est bon, j'ai mis le chat, j'ai ouvert le chat. Hein. وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته. سلام أحبك الله أحبك الله الله سبحانه وتعالى Vous bénissez aussi. Euh, il peut rentrer à nouveau. Celui qui a quitté l'islam peut-il rentrer à nouveau? Bien, bien sûr. Personne ne peut prétendre fermer la porte au repentir. que euh, celui qui glisse, qui se relève, alhamdulillah, pendant qu'il pendant qu est, il est encore vivant. Hein. Personne ne peut s'interposer entre une personne et son repentir. Euh, comment concilier Ramadan et travail pénible en entreprise? Donc déjà, mettez. Je vous avais parlé des intentions. Quand vous travaillez, mettez l'intention de travailler afin d'acquérir de l'argent halal et de nourrir votre famille conformément aux enseignements divins et prophétiques, afin que votre travail soit une ibada. Vous travaillez pour obéir à Allah subhanahu wa taala à travers le fait que Allah Jalla wa ala nous appelle à. Inna Allah à avoir de l'argent halal et afin de cet argent-là, l'utiliser en au monde, pour votre famille, pour vous et pour les pauvres. Afin que déjà, quand vous travaillez, votre travail, c'est une ibada. D'accord Avec cette intention-là. Ce pas comme certains disent, le travail, c'est ibada, donc on n'a pas besoin de faire salat, on n'a pas besoin, c'est une ibada comme salat. Non, non, non. Là, on a mal compris la nawaya, les intentions qu'on doit avoir. D'accord Et après, c'est à vous de, 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 de vous adapter. Parce que c'est sûr et certain, certains vont dire oui, il faut faire ceci, cela, mille actions dans la journée, mais lui, il ne travaille pas. Comme dit la là, c'est facile, alors que l'autre, il est maçon, il travaille toute la journée, il rentre, il est KO, il est. Non, pour ces gens qui ont de euh, la, la... certaine pénibilité dans le travail, on leur dit déjà, mettez l'intention que je vous ai dit précédemment, multipliez les bonnes intentions à travers votre travail, afin que votre travail pendant que vous travaillez, ça soit une ibadah, Inch'Allah. La deuxième des choses, faites les choses que vous pouvez faire pendant le travail, le

Euh, je n'arrive pas à prier, comment forcer mon âme à le faire. Vous savez, la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il, dis, il disait de, 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 de dire à ses enfants de prier à l'âge de 7 ans, sans que cela ne soit obligatoire pour eux. D'accord Pourquoi Parce que l'enfant, il a besoin... La prière, elle est tellement grande, elle est tellement importante, il faut qu'elle se mélange avec, avec notre sang, avec, avec vraiment que on grandit avec, on s'imprègne de cette prière dès le plus jeune âge. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, ils, ils se disent « oui, mais bon, à 8 ans, 9 ans, un enfant, lui dire prier, de prier, ce n'est pas, pas la peine, c'est pas grave ». On ne on dit, on dit pas que c'est obligatoire pour lui la prière à cet âge-là. Mais si le prophète alayhi l'a dit, c'est qu'il a besoin de plusieurs années afin qu'il s'imprègne de cette prière et que ça devienne facile. Et malheureusement, il y a des gens, ils ont attendu des années, des années, des années. Ils arrivent à 20 ans, 18 ans, 25 ans, 30 ans. Ils veulent commencer à prier. C'est normal qu'elle soit, que ça soit très dur et très lourd, parce que prier ce n'est pas une corvée, mais c'est un honneur. Et vous savez que plus l'effort est grand et en général plus le réconfort qui suit est eh bien est appréciable et agréable. Et eh ben c'est comme ça. Donc ici, euh, euh, vous devez fournir plus d'efforts que d'autres personnes, mais c'est comme ça. Demandez à Allah de vous assister, comme je vous ai dit précédemment, dans vos deux Ya Allah aide-moi, facilite-moi à faire la prière. Mettez-vous dans euh, en, en condition, faites attention à votre environnement, vos fréquentations, etc. Et troisièmement, eh bien, c'est un combat contre vous-même. Vous savez que le combat, comme le prophète al a rappelé, contre soi-même, c'est très difficile. Il dit, « le combattant, c'est celui qui combat. Qui combat son son, son âme. Euh, comment accéder à Dini TV bah, Dini TV au Sénégal Je sais pas bah, n'importe où je pense on peut avoir euh... on peut avoir accès à Dini TV. Vous tapez dini.tv point TV. point hein. TV. Vous avez accès de n'importe où. Sur téléphone vous avez l'application ou alors sur internet sur euh, le Comment on appelle ça sur euh, l'ordinateur ou sur la télé, d'accord Après, bien sûr, quand vous prenez l'abonnement, vous avez accès à tout, hein, c'est-à-dire accès à Dini sur euh, l'ordinateur, accès à Dini sur l'application, vous téléchargez l'application, euh, ou alors euh, sur, euh, sur la télé sur l'Apple Store. N'oubliez pas le code Ramadan ceux qui veulent avoir ça, vous avez 30 On a voulu que ça soit le plus accessible possible au plus grand nombre de personnes, particulièrement pendant Ramadan, Charles. Euh, alors pour être équitable ici, euh, je prends un peu ici hein, à quelle heure commence à quelle heure commence le ramadan? Bah, ça dépend quelle ville. dans quelle ville, euh, dans quelle ville euh, vous habitez, alors, dès que le maghreb rentre, eh bien, ramadan, le mois de ramadan, euh, débute, les portes du paradis s'ouvrent, les portes de l'enfer se ferment. au euh... le plus important est de remercier notre seigneur bien sûr. bien sûr. et la reconnaissance. Allah Azza wa Jal parle de la reconnaissance dans le Coran Al-Karim, quand il dit Et lorsque ton Seigneur proclama Si vous êtes reconnaissant, je, je vous rajouterai donc de mes bienfaits. Donc celui qui veut voir les bienfaits s'accroître dans sa vie, eh bien il doit être reconnaissant. Et la reconnaissance, elle se fait avec elle lissane, avec le qalb et avec le arkan avec les membres. C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran œuvrez à titre de reconnaissance. Donc la reconnaissance se fait avec la langue. Abdullah ibn Abbas, عنه, il disait Alhamdulillah, Le fait de dire Alhamdulillah, c'est la parole de toute personne reconnaissante. Et avec le cœur, c'est d'être sincère à travers ce qu'on proclame avec notre langue et ce qu'on fait avec nos membres. Et avec nos membres, eh c'est en utilisant nos membres pour faire le bien la prière, le jeûne. Aider les gens, donner des aumônes, accueillir les gens, nourrir les pauvres, et la hachere. Et euh, c'est quoi le mieux de prier chez soi ou à la mosquée Non, la, 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 prière, euh, 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 la prière obligatoire, c'est mieux de la faire à la mosquée pour les hommes. Pour les hommes, c'est mieux de la faire à, à la mosquée. Et, euh, et, et les prières sur-érogatoires, c'est toujours mieux de faire à la maison. Après, euh, par exemple, dans l'école malikite, ils préfèrent Salat al tarawih euh, qu'elle soit faite à la maison. C'est une prière. Euh, surérogatoire, mais le contexte actuel, hein, euh, il n'est pas le même que le contexte d'une certaine époque. Maintenant, les gens, certains, ils n'arrivent même pas, malheureusement, ils, ils connaissent même pas Jus'ama, donc euh, c'est un peu difficile d'assumer de faire euh, Taraweh tous les jours, ou bien ils, ils ont une mauvaise prononciation, ou ils n'ont pas cette motivation, donc bien sûr, on leur recommande d'aller euh, à la mosquée. Mais la règle de base, c'est ça. <laughs> Euh, à la maison, est-ce qu'on peut prendre le Coran dans nos mains oui, oui, bien sûr. Pour faire Salat tête tarawih les prières sur-érogatoires, pas obligatoires, vous pouvez vous aider de du moshaf. Vous prenez le moshaf et vous le lisez. Vous prenez un support de moshaf, vous le posez, le moshaf et vous lisez. Il euh, n'y a aucun problème de le faire. C'est même très bien de le faire, il n'y a pas de souci. Euh, amin, amin. BarakAllahu Alors... Peu de détails sur le imsak et l'adhan. Al imsak, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, c'est mieux, c'est préconisé, euh, d'accord, de de, de, de de respecter al imsec C'est l'abstention de boire et de manger euh, quelques minutes avant al fajr. Bien sûr, même dans l'école Malikite où ils le, le recommandent. Bien sûr qu'ils sont tous d'accord les savants, il n'y a pas un savant qui va dire le contraire, qu'on peut boire et manger tant que l'heure de Fajr n'est pas rentrée. « abiyad aswad al Fajr » Comme Allah a dit dans le Coran al-Karim, « Buvez et mangez, mangez et buvez, jusqu'à ce que se distingue le, le fil blanc de, du fil noir. » Donc on parlait de, de l'horizon, hein. euh, donc ici qui indique euh, l'entrée le, le, de l'fajr. Donc, tant que le Fajr, si par exemple le Fajr c'est à 4h30 et on est à 4h29, on a avalé quelque chose, il n'y a pas de problème. Mais là, on parle de qu ce qui est préférable. Dans l'école malikite et pour un grand nombre de savants, il est préférable d'arrêter une dizaine, 15 minutes avant lors du Fajr. D'accord et ils ont utilisé des hadiths, comme vous ai cité pré précédemment, où il est rapporté que le prophète Alis salatu salam, des compagnons avaient euh, pris le cercle avec le prophète wa salam, ils ont dit combien de temps il, il s'est écoulé entre le fait qu'il a pris le repas et la prière, il a dit le temps de lire euh, tant et tant de versets coraniques qui correspond à peu près à une dizaine, quinze, quinzaine de minutes. D'accord D'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez la différence des calendriers et de prière, c'est problématique. D'accord euh, Surtout pour ceux qui utilisent le calendrier 12 degrés, que moi personnellement, je ne recommande pas depuis des années déjà. Ça fait déjà plus de 10 ans, 15 ans que je dis, même 15 ans, euh, que je militais pour ça, <laughs> pour délaisser le calendrier des 12 degrés, tout simplement parce que euh, euh, parce que le Fajr, c est, il est très problématique. Il est très problématique ce calendrier, qu'on le veuille ou non pour le Fajr. C'est très très problématique et même ceux qui l'avaient élaboré mis en place, ils avaient justifié clairement que c'était une question de facilité. Mais voilà, la facilité doit être régie par les textes et par la législation. Bon, bref, je ne rentre pas dans ce débat-là et je ne remets pas en cause le fait que quelqu'un a prié ce 12 degrés en disant que sa prière est annulée. Non, non. La responsabilité incombe à ceux qui ont établi le calendrier. et Vous suivez votre mosquée point à la ligne. Mais en tout cas, euh, ici, il est important de faire attention par rapport à l'FES et donc. C'est mieux d'avoir ce, cette précaution de, de, de 15-20 minutes avant, comme ça au moins si quelqu'un utilisait un certain calendrier avec un certain degré qui est peut-être problématique par rapport à sa ville, eh bien euh, voilà, il, a, il aura il aura il y aura une certaine prudence. Euh, quel degré je recommande Moi je ne recommande rien du tout. Je sais que beaucoup de savants. Euh... Bon maintenant le Hamdulillah, j'ai vu passer que il y avait apparemment des comités, des, des... même certaines certaines mosquées qui s'étaient réunies dans certaines villes. Euh, je ne sais plus c'est où où il s'était mis d'accord sur un calendrier, en prenant particulièrement le 15 et le 10 degrés, ça dépend des, des prières, euh, pour le Fajr et Isha. Donc, en tout cas, au moins de prendre le 15 degrés, c'est déjà plus de précaution. Une épreuve, malheureusement, dans le monde, professeur, une pensée à hein, toutes, toutes ces personnes qui passent à Ramadan, seul dans le sens on n'est jamais seul quand on est avec la communauté de et même de toute manière le croyant est sociable donc il vit avec, euh, avec des communautés de tout horizon de toute religion de toute confession il faut jamais s'isoler mais je parle des convertis qui cette ambiance islamique non, ne l'ont pas toujours parce que au, au moment de la rupture du jeûne parce qu'ils sont tout seuls chez eux etc donc ils se rapprochent c'est bien de se rapprocher des mosquées souvent les mosquées organisent des repas etc et qu'Allah récompense d'ailleurs hein, tous tout les tous les responsables de mosquées. Hein. Moi, j'ai été responsable pendant des années et des années dans, dans une mosquée. Et je sais ce que c'est. Et je peux vous dire que c'est un travail énorme, ne serait-ce qu'organisé à Ramadan. Donc, essayez d'aider au maximum vos mosquées aussi, hein, euh, à travers des dons pour nourrir les jeûneurs, accueillir les jeûneurs, etc. Ça demande quand même beaucoup d'argent, un sacré budget. Il y a des gens qui demandent de recommander, recommander des, des associations, des mosquées, etc. La mosquée de chez vous, de votre ville. Ils sont, ils sont de confiance, ne vous inquiétez pas. Donc euh, voilà, les convertis peuvent se rapprocher d'eux, Inch'Allah. Je vous donnerai un lien d'une mosquée, euh, de notre mosquée aussi, euh, puisqu'il y a une récolte qui est faite chaque année pour pouvoir euh, faire les courses pour tout le mois pour les jeûneurs. Et vous savez, le prophète m'a dit celui, qui, jeûne, euh, pardon, celui qui, qui, qui donne un repas à quelqu'un qui jeûnait, à un jeûneur, aura la récompense, donc il permet à la personne de rompre son jeûne, aura la récompense du jeûne de celui qui a, qui a rompu son jeûne par votre cause. Vous imaginez, la personne, toute la journée à jeûner, vous, vous nourrissez cette personne-là, vous avez sa récompense, sans que cela ne diminue en rien sa récompense à lui aussi. Donc, c'est important de, de le faire. Et pour les convertis ou les personnes qui sont seules, essayez de, de, prendre, de vous rapprocher des mosquées, ou alors les gens qui peuvent inviter des gens aussi, voilà, De ne pas être égoïste et d'inviter, Inch'Allah. Si on suit Muslim Pro, euh, je, je, Muslim Pro ou je ne sais quoi comme application, là, moi je vous dis le degré. Euh, évitez, en tout cas pour le Fajr, évitez, évitez surtout le Fajr, le 12 degrés. Prenez au moins le 15 degrés. Et ça, je vous dis, normalement, moi je ne connais pas une étude sérieuse qui a été faite en France, malheureusement. Bon, bref, c'était dans les projets hein, à une certaine époque, mais bon, bref. Allahu Alaihi Halles. Euh, parce que ça, il faut faire sur plusieurs semaines, avec plusieurs spots, dans plusieurs villes, avec du matériel, pour pouvoir euh, voir vraiment euh, euh, ici dans le nord et le sud, l'est, l'ouest, euh, quel est le, le degré le plus approprié, etc. Mais dans tous les cas, je vous dis juste à l'UNU, sans faire d'efforts, même quand on est loin de la pollution lumineuse, etc. Je peux vous dire le 12 degrés, c'est catastrophique pour le Fajr. Ça, désolé de le dire, mais. À la maison. Oui, tarawih à la maison, vous pouvez le faire, bien sûr. La meilleure des prières, c'est la prière dans votre demeure. Il est le Maktouba, comme le prophète a dit, sauf, euh, sauf, la, prière, sauf la prière obligatoire. Okay. Euh, le degré, comment vous reconnaissez le degré C'est indiqué dans les calendriers. Vous demandez, c'est quel calendrier 12 degrés, 15 degrés ou 18 degrés De toute façon, en général, c'est ça, 12, 15 Il faut savoir que le 12 degrés, il n'est utilisé, à ma connaissance, nulle part dans le monde arabo-musulman. Nulle part. C'est le 15 ou le 17 ou 18 degrés, mais c'est pas le 12 degrés. Donc, euh, lawan Encore une fois, je vous dis attention. Je suis pas en train de dire euh, euh, que celui qui a prié selon 12 degrés, sa prière est nulle ou son jeûne est nul. Non, non. Je vous dis, voilà. Vous vous suivez, comme par exemple pour les avis juridiques, quelle école je suis. Le, le Wahadi suit son, son imam. Khlas. Maintenant, vous, quand vous êtes dans l'apprentissage de la science, il faut suivre une école juridique. C'est une question de discipline, c'est une question euh, ici de, 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 de cohérence dans sa pratique religieuse. Et voilà. Mais vous, quand vous n'êtes pas investi dans les sciences religieuses, on va dire, bah, à ce moment-là, vous suivez l'imam, euh, la personne de référence connue pour sa science religieuse qui vous répond à votre question. Euh... Allah, euh... Ok. Il y a une mouche qui m'embête depuis tout à l'heure, subhanallah. Comment je ne lorsque je commence à Oui, de toute façon en France, en France, il n'y a pas de... Il y a, il y a deux avis. Soit on, on prend l'avis qui est que le premier pays musulman qui a déclaré l'entrée du mois du Ramadan, les autres pays musulmans suivent, ou soit on prend l'avis que chacun doit se. se euh, ce, ce... Chacun doit se, 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 se baser sur sa propre vision dans son pays. Donc, ça, c'est des avis différents. Dans le Colmaliquite, ce n'est pas chacun dans son pays. Mais bon, ici, euh, voilà. Donc, ici, de toute manière, en France, il <laughs> y a qu'un observatoire Il n'y a pas d'observatoire ou alors d'association qui s'est penchée sur la question pour vraiment faire un travail avec des observatoires dans différents. À un moment, il y avait des frères qui avaient commencé à faire, mais bon, je ne crois pas que ça a tenu. D'ailleurs, à une époque, nous, on voulait vraiment organiser ça, etc. Bon, ça ne s'est pas fait quand on aura fait les causes. Mais euh, voilà, il n'y a pas d'observatoire. Quand on dit on va regarder la vision de la Lune, vous ne croyez pas qu'ils euh, qu sont les instances avec des, euh, des télescopes, ils sont dans 12 spots, ils sont en train de s'appeler au téléphone, il y a deux témoins intègres là, deux témoins intègres là. L'autre, il a pris un autre avis, il a dit un témoin intègre, ça nous suffit. Donc, non, non. Souvent, c'est autour d'un bel de on regarde à la télé, on attend de savoir si l'Arabie saoudite elle a annoncé ou pas. Il faut pas se faire d'illusions. Mais en tout cas, il y a des instances qui j'ai vues comme la mosquée de Paris. Et autres, ils ont dit, voilà, je trouve que c'est la vie la plus équilibrée. D'après le calcul astronomique, l'entrée de Ramadan, c'est euh, le, le lundi. Mais fidèle à nos principes, on attend d'avoir la confirmation euh, de la vision. Donc, on annoncera euh, après euh, donc, le, la veille. Donc, même si... Cette vision ne se fait pas en France, ou voilà, c'est un peu. Voilà, voilà, c'est pas vraiment carré, mais au moins, Alhamdoulilah, ils il reconnaissent ce principe-là qui est important et qui est reconnu, et c'est le macho dans les quatre écoles juridiques, à savoir se baser sur la vision sans mettre de côté le calcul astronomique. Le calcul astronomique, c'est important aussi, c'est très bien de s'appuyer sur le calcul astronomique pour avoir une base et, et voir ce que disent les calculs, et, et, et voilà, et ensuite. Euh, on confirme ou pas à travers euh, la, la vision, alam. Mais bon, dans tous les cas, pas une, ça ne doit pas être une source de, de conflit. De, vous suivez ici ce qui a été annoncé par les instances dans votre pays, et, et c'est tout. Et concentrez-vous plus sur. Euh, c'est un peu comme on, on dit. Euh, voilà, il faut se concentrer après sur le fond. <coughs> Alors. Euh... Paris. Vous suivez la mosquée de, 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 votre, de votre ville. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il est permis de se doucher ou de prendre un bain dans le but de se rafraîchir rafraîchir ou d'apaiser euh, la soirée en plein jour de Ramadan Bien sûr qu'il y a aucun problème à cela. Il y a aucun problème à cela. Bien sûr que vous pouvez avaler votre salive. Les fameuses questions. Vous pouvez avaler votre salive. Euh, Faut-il mettre leur camise obligatoirement pour se rendre à Tarawih non, il n'y a pas, pas d'habit islamique, ça n'existe pas ni pour les femmes, ni pour, euh, ni pour les hommes. Ça n'a jamais existé, un habit islamique. Il y a des conditions dans les tenues vestimentaires, euh, ça on le traite dans les, les cours de fer, c'est les, 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 les conditions à respecter euh, concernant la awra, pour les femmes et pour les hommes. Donc après, tu, tu mets un camis ou tu mets un pantalon, tu mets peu importe de ce que tu mets. C'est sûr que quand on parle de kamis pour faire la prière, quand on fait la prière, c'est sûr que les kamis est connu pour être ample, c'est mieux, c'est toujours mieux, bien sûr. Et pareil pour les femmes, il n'y a pas de, de vêtements islamiques, il y a des conditions à respecter, d'accord. Parce que si on se base sur le vêtement maintenant, surtout avec ce qu'on voit aujourd'hui, on comprend plus rien. Certains appellent un hijab qui n'est pas du tout un hijab et qui est tout sauf un hijab. D'autres euh, disent que si tu ne mets pas le djidbeb, ce n'est pas un hijab. Bon, on ne comprend plus rien. Non, il y a des conditions à respecter pour les femmes et pour les hommes dans les tenues vestimentaires. Ces conditions sont respectées. le vêtement, il a rempli les conditions. Sinon, voilà, c'est un vêtement qui n'a pas rendu, rempli les conditions. Surtout aujourd'hui, à l'époque, hein, vous avez vu maintenant, c'est nou la nouvelle, euh, nouvelle islam un peu fashion. Donc, euh, voilà, vous m'avez compris qu sans que je rentre dans les détails. Est-ce que c'est vrai que tu as la veille Voilà, ça va trop vite. Ça va trop vite, là. Après, euh, je, je renouvellerai les, les lives comme ça pendant Ramadan. Et comme ça, je vais vous laisser aussi euh, profiter. Attends, on va récompenser. Attends. Euh, non, lire le Coran en français bien sûr euh, c'est un acte d'adoration parce que vous lisez le, 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 la traduction du sens de la parole d'Allah vous ne lisez pas c'est un livre voilà c'est vous lisez, euh, bien que ça ne soit pas le Coran en soi-même, c'est la traduction du sens, mais bien sûr vous êtes récompensé mais quand on parle de récompense chaque lettre du Coran 10 bonnes actions, c'est en arabe ça, apprenez l'arabe. Comme je vous ai dit, ceux qui sont sur la plateforme Dini, il y a la Dini TV. Je répète une dernière fois, comme ça au moins, ça, ça, ça sera bénéfique à tout le monde. Pour ceux qui n'ont pas entendu, vous allez sur dini.tv, la plateforme qu'on a mis en place est différent, c'est pas concentré sur moi, la plateforme. J'oserais même pas faire la, la promo comme ça, entre guillemets, mais c'est vraiment pour faciliter à vous. Il y a, il y a, il y a des dizaines de professeurs, d'enseignants, dont moi. Donc, dedans, vous avez une série Apprendre à lire l'arabe. Il y a 10 cours, 11 cours, vous allez voir 10, 11 cours là. vous savez lire l'arabe. Donc, euh, il faut vraiment monter de niveau, barakallah, oufikoum. Il y a une série pour adultes, une série pour enfants. Et voilà, euh, pour ceux qui n'ont pas entendu, vous mettez Ramadan, code promo, vous avez 30%. Et voilà, tu t'as investi pour un mois et tu, tu apprends à lire en, en, en deux semaines, Inch'Allah, l'arabe. Apprenez à lire l'arabe. Une lettre, Jihassanat. D'accord Mais vous êtes récompensé quand même, Inch'Allah, Donc, si vous lisez en français aussi, bien sûr, vous êtes, euh, vous êtes récompensé. D'accord. Ok. Euh... Ok. Et pour terminer, donc euh, pendant le mois du Ramadan, n'oubliez pas que les invocations sont acceptées. Enfin, elles sont plus propices à être acceptées, l'invocation du jeûneur. Donc ne négligez pas l'invocation avec tout ce qui se passe hein, aujourd'hui dans le monde, hein, euh, avec nos frères et sœurs euh, qui vivent la pauvreté là, euh, la pauvreté très intense c'est surtout ces derniers jours qu'Allah subhanahu wa ta'ala les, les assiste en, en, à Gaza donc euh, ne, les, ne les oubliez pas dans, dans, vos dans vos invocations ça ne sert à rien de, de, de crier haut et fort c'est celui qui crie le plus qui, euh, qui est le plus bénéfique pour nos frères et soeurs non, non, non. quand vous êtes prosterné c'est là où il faut invoquer avec le cœur Allah ta wa ta'ala il a changé des situations, des vies et des événements à travers l'invocation d'une personne vertueuse. Et le prophète a dit que le moment où la personne est le plus proche de moi, d'Allah, c'est quand, quand il est prosterné, augmenter les invocations. hafizakum Allah Donc, wa euh, ta'ala, on se retrouvera pour d'autres lives. J'ai vu que, alhamdulillah, ça va très vite, hein. Mais en tout cas, je vois que les gens sont disciplinés dans, dans les commentaires, ça fait plaisir. Donc la prochaine fois, on fera la même chose. On laissera un peu plus de temps pour les, les questions. InshaAllahu ta'ala. Et donc, euh, profitez euh, de ce mois de Ramadan. Montrez, euh, voilà, faites dawa à travers votre comportement avec euh, les personnes musulmanes, mais non musulmanes aussi. Ne faites pas fuir à travers votre mauvais comportement à la sortie de salat, tarawih, etc. Euh, voilà, montrez le, le bon exemple et, 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 et attirez. Et annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fiur. Donc, je vous laisserai le lien avec, pour Dini TV avec le code Ramadan pour ceux qui veulent avoir accès à la plateforme Dini.tv, inshallah. Hafidakumullah, qu'Allah vous préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullah.